What is up, gens d'internet? J'espère que vous êtes tous magnifiquement bien surprenés pour une nouvelle vidéo en compagnie de Zabardino. Comment vas-tu, mon amigo? Bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Aujourd'hui, les amis, on va péter pour cet épisode. On va casser. Ouh, j'ai eu un minerai de météorite. On va casser des random ore que vous vous souvenez que j'avais eu dans mon épisode où j'avais ouvert des skill bags. On va ouvrir aussi 10 skill bags et puis ensuite, on va continuer à faire la base ici. En espérant qu'on puisse avoir un peu d'obsidienne dans les 10 skill bags pour qu'on puisse continuer la base. Sinon, on va aller miner au. À la mine quoi, à la mine pour tout le monde. Donc voilà les amis, je suis aussi en live. Donc si vous m'entendez parler au chat, c'est un peu normal, je suis en live. Donc les gens pourront dire coucou YouTube, ça, personne va le remarquer. Mais bon, quand même là je vais juste casser puis on regardera après qu'est-ce qu'on a au pire. Comme ça ça sera plus un effet de surprise genre. J'ai viens de récupérer ce que toi t'as drop par terre au shop. Sérieux? Ouais. Je me promenais pour chercher un truc puis là je trouve le stuff par terre. Oh damn, j'ai vu d'autres minerais. J'ai 4 minerais de météorites, c'est bon? Oui, c'est fucking bon. Le météore, c'est le meilleur minerai. Après l'urite. J'en ai 5, je pense. Oh yeah. Ouais, j'en ai 5. Bon, on a eu 5 stalactites, 57 urites, holy fuck. Et 24 sélénium, c'est bon tout ça? Ouais. Et 5 météorites. Tabarnak! Damn, les gars! On va aller au spawn. Ok, une obsidienne c'est 15$ et une pierre de mété c'est 40$ au shop. Ok, moi j'ai combien d'argent? J'ai 405$. Perso j'ai 2000. Ouais, 2000? Attends. Ouais. J'ai 10 skill bags, je vais ouvrir les 10 skill bags, je vais mettre les minerais de météorite ici. Comme ça. J'ai quoi d'autre? 2400. L'urite, on peut peut-être la vendre un peu, on va en faire cuire du moins, ça c'est sûr. Ok, on peut s'acheter 150, non 160 topsy, mais ça sert à rien avec l'argent. J'ai eu quoi? 2 météores, let's go. Oh, pierre de météorite, let's go. Block d'or, let's go. Obsidienne, let's go. Blaze road, let's go. Of the creeper, let's go. Un autre blaze road. Oh, d'autres pierres de météorite. Du sélénium et puis de l'obsidienne. So, ouais, ça va encore, on a quand même eu des bons trucs. J'aurai sûrement d'autres skill bags les amis pour le prochain épisode, enfin j'espère. J'ai des effets de tirer juste avant là en ce moment, so, y en a qui ont réussi à avoir des trucs. Si vous avez eu la chance d'en avoir un les amis, vous me le direz. En fait, l'urite c'est le plus nul des minerais, on m'a dit dans le chat. L'urite. Ouais. C'est ce que les gens ils disent dans le chat de mon live, tu m'as menti, espèce de pédé. Mais je suis désolé mais ça fait... j'ai pas joué depuis la V4. Damn, pourquoi tu m'as menti là? Là j'ai l'air d'un con. Il y en a qui m'ont dit ça, hein. Moi je te dis ce que les autres m'ont dit, hein. Sinon je te dis. Aïe. Go minute, il minerait le météore. Pourquoi? Avec une fortune, c'est bon? Je pense pas non. Je pense pas non plus, man. On va essayer d'aller vendre l'or qu'on a ici, là. C'était le shop derrière, je me souviens. Je crois, je suis pas certain. Par contre, j'ai pas de bois. C'est quoi l'or des mineurs minerait les gars dans le chat? Vous le savez ou pas? Mine tes minerais, ça sert à rien si je les mine. Nope. C'est l'autre en face là. Ça sert à rien si je les mine des minerais les amis, ça va rester des minerais non? Ouais, tu dois le faire cuire. Ouais, sinon c'est trop con parce que sinon vous savez quoi? Ça a pas d'allure parce que sinon tu pourrais avoir des minerais à l'infini. Genre tu poses, tu reposes, tu remets, tu reposes, genre tu comprends? Ça n'a aucun bon sens. Monsieur Brebis, ça sert à rien de spam, esti. Tabarnak, je me suis encore trompé de ce petit côté. Ok, c'est urinite, sélénium, titacite et météore. Ok. So, on a quand même eu 5 du deuxième meilleur minerai. So, c'est quand même pas si mal, les amis. Hein. Et là, c'est l'autre côté, en face de là. Fuck, man, j'ai tout fait le tour, finalement, je pense. En fait, moi, je te suis parce que j'ai rien à foutre. Attends, va. Je vois, je pense que c'est là, je suis pas sûr. Ouais, c'est là. Moi, je pense que c'est au bord. Si c'est pas ici, ouais c'est là au bas. Tu vas? Ouais c'est là où que tu t'en allais, man. Tu sais que ça m'énerve, il devrait mettre des warps genre en minerai et tout. Ouais mais y avait des hologrammes simple. Mais je sais pas s'ils sont partis où, sûrement que le plugin a bugué. Damn it, je joue ce serveur. Sérieux? Cool, venez me rejoindre si vous jouez pas déjà. Bon, de l'or, on va dans le 64, ça fait combien? On peut savoir combien on en a? 64
64 plus 64, ça fait 6, 4, 8, ok, 20, 128. Let's go. Ensuite, on en a. Y'en a un qui me spam, salut, j'ai appelé Noir, joins ma fac, non? Puis là, whoop, là, 4, voilà. J'étais pas sûr. En fait, c'est la première fois que je me fais spam comme ça alors que j'ai même pas le grade YouTubeur. J'avoue, hein, espèce de kikou, va. En gros, ok. Profiteur du siècle. Ça, c'est le plus fort parce que c'est le plus cher. Check. Il est à 25, ça il est à 20, ça il est à 15. So, ça on peut les vendre, on en a 13. Ça va nous faire un peu d'argent. Les météores, ça bon, on va les garder les amis, ça je crois c'est super super rare. Et on va essayer de miner tout ça, c'est ici pour essayer de les casser ou les faire fondre. Faut les faire fondre? Ouais. Ok, on va acheter un peu de charbon vu que j'ai pas de charbon. On va acheter genre... Ouais, j'avais dit j'en avais mais en fait non. 15 charbon. C'est tout. On va aller au home base. Celui qui a un appel nord, il veut rejoindre notre fac. C'est un? Ouais. T'es où là? C'est bon ça. Ok, good. Là par exemple, est-ce qu'on a slash craft? Ouais. Ouais, chanceux. Tac, tac, bon, tac, moi, je vais aller miner. Ok, c'est bon. Ouais, c'est bon, j'ai fait 4 trucs. Je vais mettre les 4 trucs comme ça. On va diviser ça en 4. Oh, pas là. En 4. Voilà. 4. La mine a c'était de quel côté je pense. Ok, j'ai merdé un truc à quelque part, c'est ici, c'est bon. Je vais me passer par là. Voilà. So là on va faire ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire hein les amis. Faut les faire cuire. Si on les casse à la pioche, ça va pas rien faire, hein, on est d'accord. Ou peut-être que non. Ouais, j'ai raison. Ok. Oh shit, la mine aussi est complètement. On va faire ça comme ça. So les amis, on fait cuire ça puis on se retrouve tout de suite après, tout de suite. Yo, what's up, Jonathan, on se reprend. So là, on va essayer d'aller vendre les Blaze Road et puis d'autres trucs. On a fait tuer tous les minerais puis des abonnés m'ont dit de pas vendre autre chose que ça. Parce que moi, je connaissais pas ça du tout, les amis, so je suis vraiment désolé. So vraiment désolé. Et puis, ouais, j'ai fait une erreur, en fait, j'ai montré les coordonnées de la base dans le live, so, en fait, c'est pas moi, là, mais j'ai fait l'erreur, tu veux ouais, dire. Mais ça reste que c'est quand même nous, là, enfin, voilà. So, ouais. En espérant que ça on se fasse papier aller rapidement, on va essayer de finir au moins la base, que ce soit déjà dur de rentrer, puis après ça, on verra. On va rusher ça ce soir. Je me suis encore trompé de côté, tabarnak de calice. Salut, tu vas bien, compte, je suis nouveau ici. Moi, je vais très très bien, et toi, tu vas très bien, parce que j'espère que oui, parce que c'est le bon, la bonne humeur. C'est la bonne humeur, c'est la bonne humeur, c'est la bonne humeur. Yo, bro, je pense que la base, elle fait pas 4 clés, moi. Je sais pas si toi qui l'as fait, dude. J'ai cloté chaud, comme on voit les cas. Mais ça va, je suis pas un bâtard. Qui a quoi? Attends. Il y a un gars qui m'a envoyé un MP, mais je pense que c'est Phil. Dude, what the fuck? Je me demandais combien j'en avais, genre je savais pas compter. Je pensais que j'en avais 2 stacks, j'étais genre what the fuck, pourquoi ça marche pas? J'ai le screen, je vends quoi à 5$ PayPal, message moi. Damn motherfucker, that's rude man! T'es pas dans leur fac. Ils ouais. Vont les coordonnées à 5$. Ouais, je vais bien, merci. Damn, ça c'est bien, man. C'est important, ça. So, ouais, je disais, les amis, on va continuer la base, dans le fond. Home, base 1. Espérant que ça ne fasse pas tomber. Je pense que ça va nous faire tomber, puisque j'avais mon home dans un bloc d'obsidienne. Oh non. Oh non, ça nous a mis au-dessus. Parfait. Je vais juste reset mon home, dans le fond. Set home base 1. Puis, on fait jusqu'à quelle couche? En hauteur. En hauteur, je sais pas. Là, on est... Il couche dans le sol. On pourrait faire jusqu'à couche 90, 100. Ouais, mais il faut un fucking d'obsidienne. Il faut un mini d'obsidienne ou attendre d'avoir des gifs. Je vais essayer de voir avec un admin pour avoir des skill bags pour les prochains épisodes. Ouais. Puis Ah, attends, tu demanderas aussi à l'admin s'il il pourrait aller voir ma cause d'absence. Ok. Ça, j'attends depuis genre 2 semaines. Tu te souviens, monsieur Matt Fox avec le Templier. Yo, à quoi tu fais enlever le truc des armures fait F10? Ah ben oui. Ah cool. Allez, cool, pourquoi tu passes ton écran? Cool, cool, cool. Donc ouais, comme j'ai dit, on a ça. On va par exemple casser la plateforme. Maintenant, on va juste garder les escaliers. Ça, c'était pour faire cuire, pour casser les minerais, dans le fond, les amis. Si on n'a plus vraiment besoin de ça. So, voilà, on va continuer. Il te reste plus de météorites? Non, j'en ai encore, t'inquiète. Ok, ok, je pensais que... Mais attends, t'es encore en vidéo? Ouais. Ah, ok, ouais.
On va juste garder, dans le fond, ça ici, comme ça. Voilà. Bon, ben, demoiselle, je vais t'aider à finir, puis après ça, on va couper la vidéo là, puis on va se reprendre un peu plus tard, quand on aura avancé la base, dans le fond. Je pense qu'on a avancé, normalement. Une ou deux heures, les amis, so, à tout de suite. What's up, les gens, on se reprend pour la deuxième partie, en fait. Ça fait un vachement gros moment. So, là, je suis plus en live, on est vraiment tout seul, les amis. En fait, le serveur s'est fermé hier, durant la nuit. So, j'ai pas pu avancer. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, il s'est fermé, il s'est rouvert, genre, une heure après, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, vers l'heure, vers minuit au Québec, ou du moins un peu plus tôt. Vers 18h, minuit en France, je crois que le serveur, il fait un redémarrage. Puis, en tout cas, il a pas redémarré normalement hier, so... On a des problèmes à continuer. So, je vais vous montrer vite fait ce qu'on a fait. So, attendez, je vais me mettre à la surface ici. So, vous pouvez voir, on doit remplir tout de sable. Vu que ça va être bon pour... Ça va nous aider pour pas se faire anti-use bug. Il y a déjà une faction qui a essayé de nous piller. Je vais lui envoyer un message. Bébématic, merci. So, en gros, ouais, c'est ça qui est arrivé, en fait. Je vais vous montrer de l'autre côté. Après si vous voulez, attendez, là j'ai pas mal encore de sable, ok c'est bon. J'avais un full inventaire, j'ai tout posé, so... vous pouvez voir. C'est rare, normalement c'est des gens qui font les bases et tout, mais là cette fois-ci c'est moi. C'est rare que c'est moi qui l'ai fait comme j'ai dit. Mais je trouve que ouais, je sais pas parce que je suis un youtubeur que je sais que je dois pas faire ma base puis ça doit être les autres qui doivent la faire pour moi. So j'ai dit ouais regarde, je vais travailler moi aussi. Puis voilà, so on va juste casser ça, voilà. On s'est fait piller, je crois, de ce côté-là. Enfin, ils ont-tu volé des coffres? Je sais pas. Je vais demander à Raton, mais en gros, ouais, ils ont claim là. Mais c'est pas grave, on a surclaim par-dessus. En gros, eux, ils ont construit ça, mais nous, on peut pas rien faire. Enfin, ils ont fait une tour. Ils ont fait une tour, puis on underpearl, dans le fond. C'est plutôt intelligent comme stratégie. C'était mal claim, maintenant, c'est bien claim. So, voilà. Je vais juste demander FF... message raton, ils nous ont volé du stuff. Tout. Ok. Je pense qu'ils nous ont volé un peu de stuff quand même, mais je pense pas qu'ils ont eu beaucoup de stuff comme on vous a... Vous avez sûrement pas vu vous l'intérieur, mais il y a vraiment pas tellement grand chose à l'intérieur, je vais essayer d'y aller. Comme ça, c'est ici quelque part, ouais, voilà, juste là. So, attendez un instant. Voilà. So, ouais, en gros, l'intérieur, ben, c'est ça, il faudra fermer. On est bientôt rendu à fermer, je vais juste aller vous montrer en fond. Puis après ça, je vais continuer à aller l'aider. En gros, quand on va aller en haut, comme ça, on va faire un petit slash hit. Quand on va tout en haut, ça nous... c'est un trou, quoi. Il va nous manquer un peu l'obsidienne, puis après avec l'obsidienne on va être correct pour... voilà. Avec l'obsidienne on va être correct pour terminer le toit, donc je pense qu'on veut monter encore un peu comme ouais, ils ont dû... Ouais, ils sont rentrés dans la base assez facilement comme vous pouvez voir. Ils ont fait une tour, ils ont pris un underpearl, ils ont cassé les coffres qui étaient en bas. Normal quoi. J'aurais sûrement fait pareil si j'avais eu la chance. So, ouais, faudrait fermer le toit assez rapidement, enfin assez rapidement. Aussitôt qu'on a l'obsidienne, je sais pas si on peut encore monter ou on a la couche ici limite. On peut encore monter de... Je pense qu'on va arrêter là, ça sert à rien, mais on peut encore monter de... Énormément de blocs, hein. Ouais. So, on va juste arrêter là, nous, mais... ouais. Peut-être faire une longe encore, puis tout ça va être assez, je pense. On va juste faire des étages ensuite. Avec une couche, ouais, on va faire jusque là. So, dans mes kits, j'ai quoi comme kit? Message raton. Je vais finir le toit pour pas se refaire. Ok. So, j'ai quoi comme kit? Explorateur, chimiste, explosif. Je sais pas, peut-être qu'il y a le kit empereur. Il donne la tête, la psyène. Non, il donne juste ça. Enfin, juste ça, c'est super bon, là, mais... partenaire plus. Sound muted. Sound resume. Donne la même chose. Ok. Les armures se stack, c'est bizarre ça. Ensuite, explosif. Explosif d'attaque. Donc, creeper egg plus ça. C'est quand même chou quand même. Puis.
T'es vite quand tu veux. Chimiste, explorateur, gladiateur. Gladiateur. Je pense pas. Ouais, c'est full diam, quoi. Et puis l'autre kit, c'est quoi qu'on a? C'est tout, explorateur. Explorateur. C'est quoi qu'on a dans ce kit-là? Non, on a rien là-dessus. Anti-shit. Ok, rip. So, ouais, comme j'ai dit, on a les coffres ici en météore. Voilà, comme vous pouvez témoigner. Puis c'est ce que je vais faire, moi, dans le fond, je vais aller au spawn. Je vais aller à la mine. Je vais aller miner. So, faut que j'aille au spawn avant, par exemple. Je vais regarder les underpearls. So, ouais. Je vais au spawn, je vais aller à la mine d'obsidienne, les amis. Je vais miner de l'obsidienne. C'était du stuff, mais tu... Coffre en métier, ils l'ont dit, c'est indestructible. Ok, ok. Slash spawn. Je vais aller mettre les creepers, je vais aller prendre mon dans mon under chest, dans le fond. Ce qui me reste à prendre, et puis ouais, on s'est fait piller le reste du stuff, je suis un peu déçu, mais bon, c'est la vie, quoi. So, voilà, ça. Non. Non, le gars, il a déconnecté avec ma fortune 3. Faut que j'achète une fortune 3. Quelqu'un a une FI 4, 5, fortune 3. J'achète. Je peux acheter contre des pump cheats, des other creepers ou quelque chose. Peut-être du météore, je sais pas combien. C'est quoi en Sénat? Contre quoi? Allez, dépêche-toi. Écoute, mon info, mais à côté de ta base. Ah, c'est lui le petit PD. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Rage. Combien? Slash money. On a 26 000, ça. Genre, si une demande 5 000, on va être correct. Sinon, au-dessus, on va dire non. Parce que, à moins que, ça dépend. Je sais pas combien qu'il veut aussi, là, je sais pas. On va voir. Ah, je t'ai à la laisse pour... Vu de... qu'on est là, qui c'est. Ok, mon boy. On peut-tu... bien spawn. Message, rage. Go min obsidian. Ok. Ok, et puis... Wouah, bah, min. Puis, c'est ça. Le gars, il est-tu là? Ok, faut, on va aller à la mine VIP. Akon, je te vends 2 minerais de météores, c'est rare versus killbag, c'était dit. Non, moi j'ai plus de killbag. TP toi, tu vas kiffer le truc que j'ai pour toi. Message, PP Matrix. Attends, 2 secs. Sur la mine obsidienne, c'est par là, je crois. C'est-tu lui? Non. Je pense que la mine est par là, je suis pas sûr à 100%. Ouais, c'est là, c'est parfait. Et là, normalement, c'est juste ici. Voilà. C'est ici qu'on prend l'obsidienne. So, on va prendre l'obsidienne pour terminer notre base, wesh. So, le gars, il va arriver bientôt ici, sûrement. Puis là, là-bas, c'est juste une mine normale. J'imagine. Ouais, rien de spécial. Il n'y a rien d'incroyable ici. Enfin, je crois pas. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette mine-là? Je suis jamais... C'est-à-dire 1v1 sur Bad Lyon. Si tu enlèves ton iPhone. Oui. Rage. Mine VIP Obsidian. Il y a plein de gens qui vont être là, mais bon. Au calme, quoi. Ok, je vais aller... le dire à mon pote. J'y suis ici. What? C'est toi? Ah non, c'est lui. Oh damn! The motherfucker skip it. Pay rage.
3000, tiens. Boom, merci ma poule. So, j'ai une fortune 3. Ah, oh, c'est une pioche. Oh, j'avais besoin d'une farm axe, moi. Ça fait ça la même chose? Ouais, c'est la même chose. Ça me bat à la même vitesse. Je mets de l'obsidien, les amis, puis on se retrouve un peu plus tard. À tout de suite. What's up? On se reprend. Donc, les amis, j'ai terminé. J'ai fait la base en haut. Comme vous voyez, c'est full obsidienne. Les murs ici sont en météore. On va faire ça jusqu'en haut, de la jusqu'en haut dans le fond, jusqu'à là. Oh, non. Jusqu'en haut, en fait. Enfin, vous allez avoir compris. Soit on va faire ça. On va aussi déterminer les box. Donc, ça va être des boîtes. Donc, par exemple, 1, 2, 3, 4... 5, les box. Les box vont peut-être commencer là. Puis là, il y aura 4 box, mettons, ici, de genre 10 d'auteur. Un autre box de 10 d'auteur. Comme ça, chaque membre aura sa boîte qui pourra décorer. Et puis ça risque d'être cool. On va faire ça dans le prochain épisode. Bien entendu, les amis, j'aimerais adorer que vous laissiez un pouce bleu à cette vidéo-là. Si cette vidéo-là atteint les 200 pouces bleus, je ferai tirer plein de skill bags au prochain épisode. Et puis voilà. Aussi, les amis, allez vous abonner à la chaîne de mon du gars Zabordino. Il fait des vidéos sur Skill PP, sur Refactions, il y en a fait à l'époque. Et puis d'autres trucs comme ça. Ça aussi, ça peut peut-être vous intéresser. Et puis quand il va avoir les... Et 500 abonnés, je vais faire tirer 50 skill bags. So, voilà les amis, si ça vous intéresse, on va faites juste aller voir sa chaîne YouTube. Et puis, puis dites-moi si vous avez bien aimé ou pas. So, c'est tout ce que j'avais à vous dire les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, si c'est le cas, ben, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous aimeriez voir aussi sur Skill PvP. Parce que là, je vais faire ma base. Puis après ça, bon, qu'est-ce qu'on fait après avoir fait la base? C'est à vous de décider. Peut-être un pillage dans le prochain épisode. J'avais un abonné. Il s'appelle Isaac, quelque chose comme ça. Il y avait un pillage. On va peut-être voir avec lui pour un pillage. Et puis, voilà. So, on va faire le kit nourriture. Je pense qu'il y en a un. Oui, c'est bon. So, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, les amis. C'était un compte du Pikachu de l'Internet. Bonne fin de soirée. Je vous aime. Bisous.